Bon, ben voilà, faut pas vous laisser la parole, hein, parce que ça s'arrête plus. Est-ce que vous pouvez témoigner donc des questions avec lesquelles vous êtes venu et que je puisse noter les principales, en tout cas celles qui viendront. Oui. Oui. Merci. Je vous écoute. Je m'alimente pas à 100%, mais pratiquement tout en bio. Et j'ai un tout petit budget et je m'en sors très, très bien. Et c'est une fausse idée de dire que le bio est cher et pas accessible à tout le monde. Allô. Voilà. Merci pour ces questions. Donc l'accessibilité, est-ce qu'on peut vraiment mettre à côté de la qualité alimentaire l'accessibilité? Et déjà, on voit émerger que l'accessibilité, c'est peut-être financier, c'est peut-être le temps dont on dispose, et peut-être c'est la culture. Peut-être que la grande difficulté dans l'évolution des habitudes alimentaires, c'est ce qu'on connaît, c'est le connu. C'est les croyances, les certitudes, etc. Et souvent, enfin, on parlera de tout ça. Oui, et les habitudes qui sont prises depuis quelques années. Ok, d'autres questions ? Bonsoir. Comment avoir une alimentation équilibrée en protéines, etc., sans manger trop de viande et de poisson ? Parce que, par exemple, j'ai entendu dire que les véganes avaient des carences en, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Et donc, pour avoir un régime équilibré. Protéines sans trop de viande et de poisson, équilibre. Je mets vegan pour se rappeler de ce qui a été dit. Ok. Oui. Bonsoir. Oui. Dans l'alimentation de qualité, pour moi, il y a effectivement l'origine des produits, le goût intrinsèque qu'auront les aliments, le plaisir qu'on pourra y prendre. Moi, j'ai une question sur la question des apports nutritionnels, sans être forcément sur la question vegan, pas vegan, mais finalement, on entend beaucoup de trucs un peu contradictoires en termes de régime. Et sur la place des céréales, par exemple, et comment manger moins de céréales, ou la place du gluten, enfin, qui a beaucoup de vérités, entre guillemets, contradictoires. Et pour moi, ça vous va comme terme ? Ouais. Cacophonie nutritionnelle. Pour moi, l'accessibilité, il y a un truc de cet ordre-là aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être des querelles de spécialistes ou je sais quoi, mais moi, perso, comment je m'y retrouve, en fait ? Je ne suis pas une spécialiste de tout ça. Oui. Et je trouve que c'est parfois difficile de pas juste suivre enfin, j'ai pas envie d'un gourou nutritionnel. D'accord. Ok. Bon, voilà. Ça va pas de soi, hein, l'accessibilité. Il y a un poireau à 1 € le kilo, puis tout d'un coup, il est en bio à 2 €, 2,50 €. Il y a un fromage qui était à 5 € le kilo, puis tout d'un coup, c'est 12 ou 15 ou 18 ou 20. La première analyse, c'est que c'est pas accessible. En effet. Et on entend dire des gens, ah ouais, mais bio, non, finalement, c'est possible, même à petit budget, faut qu'on nous l'explique. Faut qu'on comprenne, quoi. Et les régimes sans. La question des régimes sans. Ouais, les véganes, c'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'on peut définir notre façon de manger par ce qui est absent?
C'est pas très chaleureux comme approche de l'alimentation. Toi, comment tu manges ? Ah ben moi, je mange pas de ça, pas de ça, pas de ça. Ah, c'est cool. D'autres questions ? Comment ? Alors, le jeûne, c'est encore autre chose. Mais, ok, on va, je le mets pour mémoire, peut-être j'arriverai à le caser quelque part. Merci. Oui, alors moi, je m'intéresse à l'aide alimentaire, en fait, et puis forcément, c'est une critique qui revient très souvent, justement, la qualité de l'alimentation dans ces structures. Alors, je ne comprends pas bien la question, en fait. La question bon, justement, c'est la question. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question quand ils sont dans la précarité, justement, oui. Ou la pauvreté. Oui. Comment, justement, accéder D'accord. à cette alimentation-là. Okay. Ça va. Encore une ou deux questions avant qu'on démarre. Une là et puis une là. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la nourriture conventionnelle peut être de qualité ? Merci. Bonne question. Comme les autres, bonne question, toutes. Et puis tout en haut, là-bas, ça c'est quelqu'un qui est rentré par hasard. Il n'est pas sûr de rester. Je verrai si je peux répondre à sa question en premier. C'est une question que je pose, mais bon, je ne sais pas si j'attends une réponse directement, mais c'est comment varier son alimentation de qualité. Parce que moi, j'ai une alimentation de qualité bio et accessible, mais pas variée du tout, quoi. Parce qu'en fait, il y a certains produits qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres. En fait, on tourne très, très vite en rond. Et voilà. Et donc, il y avait une deuxième question, c'était peut-être l'aspect collectif dans cette alimentation de qualité accessible à tous. Comment on peut toucher tout le monde ou la restauration collective ? Comment gérer collectivement peut-être l'alimentation ? Oui. Bon, on va essayer de traiter tout ça. Et on est ensemble jusqu'à 7h30. Je crois que 8h, c'est la fin, dans tous les cas. Et on va causer ensemble, si vous voulez, de la qualité alimentaire. Et puis, je vais commencer par me présenter. Et parce que vous allez voir que ça va me permettre déjà un petit peu de poser le cadre que je vous propose pour aborder ce sujet ce soir. Alors, moi je viens de la région nantaise et quand j'avais 22 ans, 23 ans après des études de sociologie, j'ai fait un service civil au milieu des années 80 et dans ce service civil, je me suis occupé d'écologie pendant 2 ans et j'ai monté une coopérative de produits bio avec d'autres à Châteaubriant, un peu au-dessus de Nantes. Et ce que je me suis rendu compte avec ce regard de la sociologie, c'est qu'on faisait, on essayait de développer les filières bio, l'agriculture bio, les changements de pratiques en agriculture pour utiliser moins de pesticides, protéger la biodiversité, etc. Mais ce qu'on vendait dans les magasins bio, c'était pas mangé par les gens. Y avait des graines, y avait des huiles, il y avait des algues, il y avait du soja, il y avait du riz complet, il y avait des lentilles, des pois cassés. Déjà, dans les années 80, on commençait à pratiquement plus manger de ça. Il y avait du millet, du sarrasin. Alors là, si c'est millet, c'est pour les oiseaux et les Vendéens. Et il y avait ce genre de produits, quoi. Et ce serait difficile de motiver des changements d'agriculture si ce qui est produit, même les légumes d'hiver, déjà dans les années 80, vous voyez, c'était là qu'on a commencé à avoir la tomate toute l'année, la courgette toute l'année. Et le grand paradoxe de l'accès à la profusion alimentaire des années 60, 70, 80, c'est que plus on a eu accès à tout facilement, plus on s'est mis à manger toujours la même chose. C'est un grand paradoxe. Quand vous avez accès facilement à tout, vous allez vers le plus facile. Surtout dans un contexte où les transmissions de savoir-faire autour de l'alimentation se perdent, s'espacent, et que les critères d'économie, effectivement, de temps, d'hygiène, tout un tas de critères qui sont un peu importants, mais pas forcément toujours essentiels,
sont dominants sur l'acte alimentaire. Alors donc, en 85, je vois ça, et pour moi, c'était évident qu'il fallait créer des opportunités de rencontre autour des aliments, autour de ces aliments pas connus. Et comme j'étais végétarien entre 20 et 35 ans, je me suis emparé de la cuisine végétarienne justement comme d'un prétexte. Moi, le but, c'était pas que les gens deviennent végétariens, c'était que, à travers des cours de cuisine végétarienne que j'ai commencé en 87, et puis un petit restaurant que j'ai ouvert avec ma femme en 88, de 20 places, centre Nantes, on fasse cette cuisine végétarienne du monde, 100% bio. On était moins cher qu'une pizzeria. L'idée, c'était que les gens voient ce que c'est. Ces protéines végétales, ces graines, ces céréales, ces produits des agriculteurs locaux. Et puis découvre que ça pouvait être non seulement rassasiant, comme ça, le midi, mais aussi festif le soir. Et moi, je suis un tout petit cuisinier. Je ne suis pas du tout un grand chef étoilé. Mais il y a quelque chose qui fonctionnait dans l'approche qu'on avait et qui fait que ça a été très, très, très plein tout de suite. On pouvait faire pour 20 places 40 couverts et puis on en laissait 30 sur le trottoir dès la première année. On est devenu plus grand. Et puis, pendant 10 ans, j'ai fait de la restauration comme ça, centre Nantes, pour 60 à 120 couverts jour en service à l'assiette. Et on avait un public assez large, en fait, avec des gens qui venaient avec des tickets restaurants, qui n'étaient pas spécialement... Il y avait 30% de personnes qui étaient déjà connaisseurs du bio. Il y avait 10% de végétariens, mais le reste, c'était plutôt des gens, des fonctionnaires, des gens qui travaillaient en ville, à la Sécu, à la mairie de Nantes, etc. etc. Et voilà. Donc, en fait, on a fait ça pendant 10 ans. Et puis après, je suis devenu traiteur. Et en parallèle, j'ai toujours donné des cours de cuisine dans le resto, dans mon labo traiteur. Et il y a 20 ans, dans le sud de la France, dans le Gard, en Languedoc-Roussillon, il y a les premières actions, enfin, ça fait même 25 ans maintenant, les premières actions pour mettre des produits locaux et des produits bio dans les cantines. Ce qui se rendait compte en Languedoc-Roussillon, dans les milieux qui étaient dans la valorisation du milieu rural, les CIVAM, je ne sais pas si vous connaissez ces organismes qui sont en milieu rural, qu'ils essayaient eux aussi de favoriser l'agriculture bio, mais ce qui se rendait compte, c'est que les produits qui étaient bio du Languedoc-Roussillon étaient majoritairement exportés vers les pays d'Europe du Nord. Puis quand on regardait ce que mangeaient les populations localement, dans les crèches, dans les cantines, dans les maisons de retraite, on ne savait pas d'où ça venait. Et donc l'idée, c'était de reconnecter ça. Et c'est les CIVAM du Gard, et puis un réseau qui est devenu un plus bio, en lien avec tout ce qui se fait aujourd'hui autour du bio. On voit que toutes ces actions vers les cantines se sont développées. Et c'est devenu une partie importante de mon activité d'intervenir pour les cuisiniers des cantines scolaires, mais aussi des restaurants d'entreprise, des EHPAD ou des crèches, pour leur proposer des approches de la nourriture, des approches de la cuisine. Et ce qui est intéressant, quand on parle de cette restauration collective, 75 000 restaurants collectifs, des milliards de repas qui sont servis par an, c'est ceux-là qui vont faire le climat, c'est ceux-là qui vont faire l'environnement, qui vont faire les sols, l'eau, la biodiversité. Ce n'est pas la cuisine des chefs étoilés. C'est vraiment les repas du quotidien, sur les lieux de vie ou dans les familles. C'est là que les grands enjeux sont. Et l'avantage, quand on commence à bouger un petit peu les lignes dans une cantine, c'est que ça touche toutes les populations. Ce n'est pas que les gens qui mangent bio, ce n'est pas que les gens qui ont de l'argent. C'est du bio pour tous. Enfin, presque tous, ceux qui vont à la cantine. Une grande partie de mon activité maintenant, c'est presque les trois quarts de mon activité, ça consiste à intervenir comme ça pour ces cuisiniers professionnels dans des salles où, quand j'ai une journée de formation, j'ai 10 cuisiniers devant moi et en fait, cuisinières. Et quand on totalise le nombre de repas qu'ils font par an chacun, c'est 500 000, 800 000. Enfin, quand on totalise les repas par an du groupe, c'est des fois 1 million, 1 million 2, 1 million 5. Donc on voit qu'il y a des gros enjeux et que ce qui serait intéressant, c'est de créer déjà des possibles avec un peu plus de cuisine maison, un peu plus de produits locaux, de produits frais, de produits bio quand c'est possible, d'équilibre nutritionnel, etc. Voilà, donc l'idée, c'est d'accompagner. Donc mon métier, depuis maintenant 8 ans, j'ai arrêté la restauration. Je ne fais uniquement de la formation. J'ai écrit des livres sur les sujets qu'on va aborder ce soir. Et voilà, donc mon métier, c'est en particulier
à l'aide de la cuisine végétarienne, mais en partenariat avec mes collègues qui font des formations autour de la viande, des protéines animales, c'est vraiment d'activer les leviers qui permettent à une plus large population, la plus large possible, d'aller vers une alimentation de qualité. Mais si j'arrive devant un groupe ou une salle de conférence comme ça, avec des gens, alors vous avez déjà fait la démarche de venir. Il est probable que vous ayez déjà des questions autour de la qualité de ce que vous mangez. Mais bien des fois, moi j'interviens devant des cuisiniers à 8h le matin, on n'a pas choisi de venir. De toute façon, le bio, les enfants, ça ne les intéresse pas. Et puis moi, j'ai 20 ans de métier, on ne va pas m'apprendre à cuisiner une carotte bio. J'ai ce genre de truc en début de journée. Et si je commence à dire aux gens, le glyphosate, c'est pas bien, on mange trop de viande, les vaches pètent, le changement climatique, si je commence à aborder ces sujets comme ça, je les ai déjà perdus. Il n'y aura pas de changement dans des approches clivantes et stigmatisantes. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je demande à ces groupes, que ce soit des particuliers, des professionnels, c'est quoi bien manger pour toi ? Et si vous voulez, on va commencer par ça. Je vais vous demander, c'est quoi bien manger pour vous ? Et vous allez me dire les mots-clés qui, pour vous, signifient une bonne alimentation. On a parlé d'alimentation de qualité. Ben, c'est quoi une alimentation de qualité ? Parce qu'au fond, c'est jamais très bien défini. C'est jamais très très bien défini, quoi, une bonne alimentation. Alors, je vous écoute. Une alimentation de qualité, qu'est-ce que c'est pour vous ? Alors, bien manger, faut que ce soit varié. C'est ce que j'ai entendu. Naturel. Alors, ça veut dire quoi, naturel ? C'est les produits qui sont naturels ? Alors, naturel, sans conservateur, sans pesticides. Vous voyez, par exemple, quand on vient faire la promotion du bio, y a toujours les pour les contre. Mais ton bio, il n'est pas plus bio que les autres. De toute façon, tout le monde traite autour, l'air est pollué, le machin, les sols, tout ça. Bon. Mais quand on dit aux gens, il n'y a personne qui dit « moi, je veux manger des pesticides ». C'est aussi bête que ça. Hein. Donc, on a en général cette réponse. Sans pesticides, oui, personne n'a envie de s'intoxiquer. Quoi d'autre ? Du goût. Que ce soit bon. Du plaisir. C'est quoi qui fait plaisir dans l'alimentation ? Le goût, les saveurs, d'accord ? Que ce soit beau. La fraîcheur. Enfin, j'ai mis beau, c'est le visuel, quoi. Les saveurs. La vue. Les apports nutritionnels. Que ce soit équilibré, ça vous va ? Comme terme ou équilibre nutritionnel ? Équilibre nutritionnel. J'ai entendu parler d'énergie. J'entends parler d'hygiène. Proche autant que possible, ça résume ce que vous voulez dire ? Aussi proche que possible. Ah mais moi j'ai entendu... Dans les cantines, là où le budget est très 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 serré, j'ai entendu plein de fois, ah mais moi du bio je veux bien, hein, mais pas du bio qui a fait 4000 km. J'ai entendu ça. Mais les cuisiniers qui me disent ça, ils achètent du riz étuvé américain qui a fait 15 000 km. Quand c'est pas bio, on s'en fout qu'ils aient fait du kilomètre. Mais si c'est bio, ça doit être plus que parfait. On entend beaucoup ça. Et donc proche, je vais mettre proche pour local, ça vous va ? Donc on a compris, hein, sans conservateur, sans chimie, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, et sans antibiotiques.
Voilà, quoi d'autre ? Une bonne alimentation. La saison ? Quoi d'autre ? Pas tout à fait. Je ne suis pas un grand technicien de ça. Mais j'ai travaillé un peu avec EcoCert. Moi, j'ai été contrôlé quand j'étais traiteur bio. J'avais les contrôles. Je peux vous expliquer comment ça consiste. Je suis allé en Chine il n'y a pas longtemps. C'était un peu plus aléatoire. Quand c'est EcoCert qui intervient, j'ai assez confiance parce qu'ils ont des réglementations internationales qui tiennent sur tous les pays. Mais les fermes que j'ai visitées en bio en Chine étaient validées par le gouvernement chinois. Donc c'était aléatoire, on va dire. Mais il y a de la conversion comme chez nous et il y a des fermes exemplaires. J'ai vu aussi des fermes exemplaires en Chine, incroyables. Ouais. Oui. Voilà. C'est possible de trouver ces renseignements sur Internet. Je continue sur le bien manger. Ensemble. Si vous voulez, on va faire un arrêt sur image, la convivialité. On va faire juste un arrêt sur image. On a dit, pardon ? Prendre le temps, avoir le temps. Avoir de la surprise, ça va avec le côté varié peut-être. Et j'entends parler des cuissons, bien cuit, correctement, on verra ce qu'on peut mettre dans le bien cuit. Quoi d'autre ? Bien manger ? Le respect des producteurs, mais les animaux on s'en fout. Je vous asticote un peu, mais quand on gratte un peu, en fait, ce qu'on aimerait, c'est le respect du vivant, d'un bout à l'autre, le respect des végétaux, le respect des ressources, de la biodiversité. En général, c'est ce qu'on... Autre chose ? Proche ? Le gaspillage. Éviter le gaspillage. OK. Je vous propose juste de faire une petite pause, on verra s'il y a encore quelques mots qui traînent après. Bon, ça commence à faire 25 ans que j'ai cette approche-là. Ça fait au moins 10 ou 15 ans que je fais ça systématiquement au début d'une formation, d'une conférence, d'un atelier. Je vous assure, j'ai été devant des publics bio, des pas bio, des chasseurs, des végétariens, des urbains, des ruraux. Dès l'instant que les gens sont adultes, et même en Chine, j'ai eu les mêmes mots. Alors que si on commence à dire bio, il y a les pour, les contre. Moi, j'y crois pas. Moi, je préfère raisonner. Non. Si je commence à dire végétarien, c'est pareil. Moi, si j'ai pas ma viande, j'aurai faim. Je suis pas une poule, je mange pas des graines. J'ai tout ça. Alors que si je demande bien manger, j'ai tous les mêmes mots. C'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie si on veut définir ce que serait une alimentation de qualité à partir des représentations qu'on partage. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on pourra, dans les différents milieux sociaux... alors, les mots peuvent changer. Est-ce qu'il reste des mots encore qui traînent pour vous dans votre présentation de la qualité alimentaire, du bien manger ? Les quoi, les ? Le symbole, c'est-à-dire ? Les représentations, la culture liée autour de l'aliment, le sens de l'aliment, d'accord. Mais ça, c'est fondamental parce que le sens des aliments. Si on arrive dans une cantine et puis on commence à dire alors demain c'est repas développement durable, on va manger du millet au tofu. Bah, c'est l'enthousiasme, je peux vous dire. Hein. Si ça n'a pas de sens, si ça n'est pas porté par un projet éducatif qui nous explique que le millet, c'est ce qu'on mangeait en Europe, que les Gaulois mangeaient avant l'arrivée du blé, qu'il y a une histoire, que ça a un effet sur les sols extrêmement intéressant, que tiens, on aura demain à la cantine. Si on s'en empare comme un projet éducatif, ça prend du sens
et peut-être qu'on pourra faire bouger un peu les lignes avec un repas économique, un crumble qu'on va faire avec les légumes du moment, et puis dessus du millet avec peut-être une légumineuse écrasée, des petites noisettes, un peu de fromage, et on aura un effet crumble sur un plat qui va coûter plutôt moins cher qu'un plat avec des viandes conventionnelles, mais qu'on peut faire aussi avec un peu d'une bonne viande. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la culture. Beaucoup, je vois que la plupart des mots que vous avez dit portent sur la qualité de l'aliment. Et finalement, le reste est important aussi. Et va être une condition d'installer une alimentation durable, une alimentation de qualité dans le temps. Oui, avec les surprises. Alors, est-ce que je vous propose juste un petit truc là? Oui, encore autre chose, une dernière? Vous nous expliquerez? Ok, super. Ingérer, digérer. Ok. Les conditions de repas. Le cadre. Ok. Le cadre. Bon. Bien manger, c'est compliqué. Ça peut être bon. On peut avoir du goût, mais c'est pas digeste. On peut digérer, mais c'est moche. On peut avoir des très bons produits, mais c'est pas équilibré. Ça peut être très bio et mal mangé. Parce que c'est surcuit, parce que c'est mal présenté, parce que ça ne me dit rien, parce que ça n'a aucune résonance, ton machin, tes graines avec ma culture. Ça peut être varié, mais pas bon. Vous voyez, il n'y a aucun mot qui est définitif. On voit qu'on a besoin d'approches complexes pour arriver. Et en fait, très souvent, par exemple, quand on... Sur une petite commune, quand on veut faire bouger les choses dans la cantine, il y a des choses, je crois, au niveau de Toulouse, qui ont pas mal bougé déjà sur la restauration scolaire, mais dans des petites communes, quand on se pose la question de la qualité des repas, on demande aux élus de dire, au bout de 20 secondes, il n'y a plus rien, quoi. Ah, ben, on met un peu de bio, on met un peu de local, hein. Par contre, on est certifié pour l'hygiène. Par contre, le coût des repas est maîtrisé pour les familles, ce qui est important aussi. Mais au fond, la qualité alimentaire, elle est implicite et personne ne sait très bien ce que c'est que de bien manger. Et vous voyez tous les mots qui sont sortis, encore une fois, c'est les mêmes grosso modo avec des petites variations suivant les milieux. En tout cas, ce qui est exprimé, c'est la même chose. Alors, on va faire une synthèse de ça. Et pratiquement tout ce que vous avez dit, j'ai juste besoin de laisser parler le monsieur sur ingérer, digérer, parce que ça m'intéresse. Et... Allez, bon, c'est pas grave, je vais me remettre là-haut. En fait, quand on fait une synthèse de tout ce que vous avez dit là, on s'aperçoit qu'un peu partout, et d'ailleurs on peut construire des projets autour de ça, tout ce que vous avez dit relève tout le temps de quatre grands éléments qui sont interdépendants. Bien manger, ou mieux manger, parce qu'après tout, chacun mange déjà. Chacun est un mangeur expérimenté, chacun a bien le droit d'avoir sa culture, ses habitudes, ses goûts. Et, mais aujourd'hui, que ce soit des raisons de santé, d'environnement, d'accessibilité financière, de développement du territoire, pour plein de choses, on aimerait souvent mieux manger. Ou on se pose la question de mieux manger. Et, mais quand on synthétise les mots que vous avez dit, y avait tout un tas de mots que j'ai classés un peu en haut à gauche. Et ça dépend des endroits. Des fois, je mets qualité de la matière première, mais là, je mets bons produits, des bons produits. Quand on demande aux gens c'est quoi des bons produits, on a partout plutôt des produits frais, plutôt des produits de saison. Même les gens qui mangent la tomate toute l'année vous disent des produits de saison. Et frais et de saison, ça pousse pas loin d'ici. Et déjà, quand on dit frais saison locale ou frais saison proche, comme possibilité de mieux manger, déjà on a beaucoup d'impact sur le climat, on a beaucoup d'impact sur les goûts, sur les apports nutritionnels, rien que par ces trois mots, frais, proche, de saison. Et puis, quand on creuse un peu des choses que vous avez dit, effectivement, des produits sains, issus d'agriculture sans traitement ou sans résidus de traitement, avec le respect. Le mot de respect est important parce que quand on essaye de définir c'est quoi un bon mode de production,
encore une fois, il y a toujours le raisonné, le bio, le machin, le truc, les labels, ceci ou cela. Mais au fond, quand on va derrière le mot bio, vous savez, bio, ça veut, biologique, ça veut dire en accord avec la vie, biologique. Et au fond, c'est la notion du respect, le respect des ressources, que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ait toujours une eau qu'on peut boire, un air qu'on peut respirer, des agriculteurs, des éleveurs qui peuvent vivre là où ils produisent, là où ils font de l'élevage ou du maraîchage. On a en fait toute cette notion du développement durable, de l'alimentation durable. Donc c'est frais, local, saison, production, mode de production durable, hein, qui soit aussi équitable et sain. Des produits plutôt bruts, de préférence aux produits transformés, additionnés, stabilisés, standardisés. Tout le monde se rejoint là-dessus. Tout le monde se rejoint sur cette première valeur. Ensuite, ce que tout le monde nous dit, c'est venu à travers les notions d'équilibre, de gaspillage et de cuisson que vous avez exprimées de l'autre côté. On parle de soins culinaires. Moi, j'utilise ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, bah, j'aimerais aller vers des meilleurs produits. Mais au fond, comment je les associe, comment je les transforme. Et je voudrais vous partager avec vous ce qu'on fait quand on intervient dans un collège qui fait 400 couverts, ou un groupe de collège, ou un groupe de lycée, ou un groupe de restauration collective, donc les cantines, ceux qui font des dizaines, des centaines de milliers de repas par an, et qu'on veut introduire des produits bio et locaux à coût constant. Ils ont 1,50, 1,70, 1,80, 2 euros de coût matière première par un repas. Tout le monde, évidemment, pense que si on commence à acheter des produits bio, bah, on va exploser le budget, comme si le budget du repas ne reposait que sur les matières premières, qui représentent en fait 20 ou 22% du coût du repas. Parce qu'après, il y a le travail, il y a les énergies, il y a les locaux, il y a tout un tas de choses qui font que le prix d'un repas de cantine, c'est plutôt 8 euros en moyenne. Mais là-dessus, les matières premières, c'est, on va dire, pour un collégien, autour de, en France, entre 1,60 et 2 euros. Les matières premières du repas. Et là-dessus, la viande représente 55% du coût du repas. C'est culturel, ça s'est installé après-guerre, la viande tous les jours. Alors lundi, c'est viande en sauce, mardi, c'est rôti, mercredi, ce sera saucisse, jeudi, ce sera du poulet, je ne sais pas quoi, et vendredi, ce sera du poisson. Et la semaine prochaine, on recommence. Et si un jour, il y a une omelette, des fois, ça râle. Comment ? Et du pâté en entrée, et du fromage. Et du fromage, une petite sauce aux œufs, pour, une petite crème aux œufs pour le dessert, hein. De la protéine animale, d'un bout à l'autre. Donc, ce qui va être fondamental, si ça pèse autant dans la façon de concevoir les repas, c'est de demander au cuisinier, bah, comment tu cuis tes viandes ? Et ça c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit, et c'est mes collègues qui interviennent sur les cuissons des viandes ou les cuissons de la protéine animale d'une façon générale, c'est-à-dire comment on cuit les rôtis, les viandes en sauce, les escalopes, les machins, les poissons. Et tous les cuisiniers ont appris la gastronomie pour 20 repas, 30 repas au doigt et à l'œil. La gastronomie, c'est le repas festif, c'est... on s'en fout des calories, on s'en fout du moment qu'il y a de l'émotion, c'est les étoiles, c'est tout l'imaginaire qui devrait être tous les jours pour qu'on ait du plaisir. Je ne sais pas si vous avez mangé 5 jours de suite au restaurant. Au bout de 5 jours, on n'en peut plus. Hein. Mais au quotidien, dans une cantine, on aimerait quelque chose de beaucoup plus simple. Et les cuisiniers n'ont pas du tout été formés à ça. Ils ont appris, comme tout le monde, à cuire un rôti à 200 degrés, 180. Un rôti... Bah, chez nous, dans l'Ouest, des rôtis de viande blanche passés dans un four à 180 pour 800 élèves, 20 rôtis dans une armoire de cuisson à 180. On pèse avant, après. On a des fois 25, 30, 35, 37, 38% de perte. 38% de perte. Et c'est quoi cette perte ? C'est de l'eau qui s'est évaporée à la cuisson. C'est de l'eau qui s'est évaporée à la cuisson, mais qu'on a payée au prix de la viande. Si je commence à acheter une viande bio, j'ai vraiment intérêt à me demander comment je vais cuire cette viande. Alors mon collègue explique aux cuisiniers et leur demande, c'est quoi cuire la viande ? Alors, il y a un blanc, parce que, en fait, dans la cuisine
dont on a hérité et que les cuisiniers apprennent aussi en école hôtelière, c'est que le comment, mais jamais le pourquoi. Pourquoi je cuis une viande? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, cuire une viande, c'est coaguler la protéine. La viande était rose, elle va devenir blanche. Ça se passe à quelle température, à votre avis? Une viande rose qui devient blanche. Ça commence à peu près à 62, 64, 65 degrés. C'est plié à 68, 70, c'est plié. À partir de 72, la protéine contracte, le jus sort. C'est mécanique. Vous pourrez ouvrir 20 fois le four et arroser votre rôti pour que ça donne du goût, du machin, du truc. Vous aurez perdu 30-35% de votre rôti après une cuisson comme ça, au doigt et à l'œil, sans aucun repère. Donc, ce que le collègue leur fait, c'est qu'il déconstruit en fait tous les modes de cuisson, comment ils ont fait, pourquoi ils font comme ça. Et à chaque fois, ils font en sorte de comprendre que pour atteindre cette température à 68 degrés, on va créer des conditions dans un four à chaleur sèche, des rôtis plutôt sur une grille que dans un plat, et puis une sonde dans un des rôtis où on va contrôler la température pour arriver à un rôti qui va être juste cuit. Et là, quand on mesure le poids entre le avant et le après, on a perdu 15%, 16%. Vous vous rendez compte? On peut avoir 20% de différence sur le budget viande qui représente 55% du coût du repas. Mais le bio, c'est trop cher. Donc, les premières choses, c'est de questionner ce genre de choses. Les viandes en sauce, comment elles sont préparées? Le cuisinier a appris à faire du sauté pour 20 portions en rissolant la viande, parce que si je la rissole, réaction de Maillard, machin, ça va avoir du goût, ça va donner du goût à ma sauce. Mais vous imaginez ce que c'est que de faire de la viande en sauce pour 500 élèves? C'est un bidon d'huile qui passe. Et la viande, elle baigne dans son jus et elle n'est pas du tout rissolée. Et tous les cuisiniers pensent que c'est mieux, donc ils font ça, ils embauchent 2 heures avant. Et quand mon collègue leur montre la technique de la viande en mesurant le volume d'eau, en mesurant le sel, en mesurant les légumes pour 20 kilos de viande, 2 kilos de légumes, et ils se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de mettre des fonds dans la sauce. Et quand on va dans les économas, on voit des boîtes de fonds, c'est de la farine, du sel, 97%. Et 3%, ça vaut 15 euros la boîte. Au mieux, 3% d'extrait de viande. Et on nous dit, le bio, c'est trop cher. Et la rôti qui a perdu 35% de son poids, la viande est sèche, on met de la crème dans la sauce. Alors, comme on vit de la viande tous les jours et de la crème tous les jours partout, on achète de la viande à pas cher, de la crème à pas cher. Si vous voulez. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on rencontre. Et il y a vraiment des extrapolations à faire à la maison. Sur réapprendre. Je vais juste vous montrer, je ne le fais pas, puis j'ai pas demandé de projection ici, mais en général, je le mets là, et puis vous viendrez voir avant de partir. Je pense que tout le monde peut voir 2 morceaux de viande. Est-ce que vous voyez 2 morceaux? Vous viendrez voir avant de partir. Ça, c'est un cuisinier qui a cuit avec une sonde dans un four à 100 degrés. Ça, c'est quelqu'un qui était dans un autre four à côté, le même producteur, le même morceau de viande, le même poids, la même forme, a cuit à 180 degrés. 17% de différence entre les deux, et là, la viande est sèche. Et il y a eu des projections dans le four, donc il a fallu utiliser des produits lessiviels. Et le four à 100 degrés consomme beaucoup, 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 beaucoup moins que 2 fois moins qu'à 200 degrés. Donc, si vous voulez, c'est systémique. Il faut questionner nos façons de cuisiner. Là, je viens de parler de la viande, mais parlons des légumes. Tout à l'heure, vous avez parlé des légumes dans l'équilibre alimentaire. Et en fait, moi, je fais des ateliers toute l'année avec des groupes ou avec des professionnels. Et j'utilise souvent les poireaux parce que c'est un légume basique qui est très disponible, qui ne coûte pas très cher, qui permet de faire énormément de choses. Bon, si je mets un paquet de poireaux. Je vais faire ça samedi avec un groupe sur un atelier tarte. On va faire des poireaux. Je vais poser les poireaux au milieu. Si je dis rien, je suis sûr que j'ai 20, 25, 30, 35% du poireau qui part direct à la benne. Parce que tu comprends, moi je ne mange pas le vert, je n'ai pas prévu de faire une soupe, c'est le blanc qui est bon.
Et quand on regarde, c'est comme les produits raffinés, cette idée que le blanc est meilleur, mais plus je vais vers la pointe du poireau, plus c'est riche en sels minéraux. Moi qui montre aux gens des cuisines végétariennes, je suis très content d'avoir ces sels minéraux parce qu'ils vont faire le goût du plat dans des plats où j'ai pas beaucoup de viande ou pas de viande. Donc j'invite les gens sur 1 euro de poireau acheté à mettre 97%, 98% du poireau. On peut garder aussi les racines pour faire un bouillon aromatique. Et puis, on peut utiliser tout. Et quand on met des poireaux dans une casserole, émincée un petit centimètre, on met ça dans une casserole pleine, un couvercle, on peut cuire à l'étouffée. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, cuire à l'étouffée? En fait, pour vous, ce serait quoi un mode de cuisson qui garderait les propriétés d'un bon légume? Si j'ai acheté un bon légume, comment il faudrait que je les cuise pour qu'il garde ses propriétés, un légume? À la vapeur. C'est ce que tout le monde dit. Et en effet, la cuisson vapeur, au lieu de cuire les légumes dans l'eau, on les a sortis de l'eau, ils sont dans une ambiance à 95 degrés, et puis ils vont cuire dans ce hammam, et la fibre va devenir tendre au-dessus de 85 degrés pour les légumes. Le légume va cuire plutôt à basse température, on va dire. Mais si je mets du sel sur mon légume dans mon panier vapeur, le sel, il va finir dans l'eau en bas. Si je mets des épices, ils vont rester en surface. Et si dans mon panier vapeur, je mets des poivrons, de la courgette et de la tomate, à la fin, je n'ai pas une ratatouille. Gustativement, la cuisson vapeur, elle est absolument neutre. On passe de cru à cuit sans valeur ajoutée. Donc, c'est intéressant de réfléchir à comment on transforme l'aliment et comment, derrière nos façons de cuisiner, il y a des gaspillages de produits, des gaspillages dans l'épluchage inutile. Vous pouvez nous dire ce que vous entendiez par ingérer, digérer ? En fait, il y a des aliments qu'on va ingérer juste comme ça, qu'on ne va pas forcément digérer, qui ne vont pas avoir forcément d'apport pour notre corps, alors que digérer, ils vont vraiment avoir des apports pour le corps. Ok, super. Merci. Non, tout va bien. Donc le soin culinaire, effectivement, c'est les cuissons douces. Les cuisiniers, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de manger moins de viande pour le climat. Les cuisiniers qui ont suivi ces formations, ils nous disent, avant, pour les 500 élèves, j'achetais 62 kilos de viande. Puis maintenant, j'applique les méthodes évolutives et puis 48 kilos, ça suffit. Et à la fin, j'ai autant dans l'assiette. Parce que pour un kilo de viande achetée, j'en sers 850 grammes. Alors que ce que je cuis à l'ancienne, pour un kilo de viande achetée, j'ai plus que 650 grammes dans l'assiette. Et mon ado, là, il gueule parce que le morceau de viande, il n'y a pas assez. Et donc, je pense que tout le monde comprend, moins gaspiller en préparation, mieux cuire, mieux transformer. Et puis, ce que vous disiez sur le repas avec des charcuteries bon marché. Et puis la viande, la moins chère parce que c'est tous les jours. Et puis le fromage, des fromages en petites portions sous plastique. Et puis après, la crème aux œufs pour le dessert. C'est la version du repas gastronomique, vous savez, français à l'UNESCO, mais à tout petit budget. Il y a vraiment une erreur de casting, là. On a une alimentation qui n'est pas du tout équilibrée, qui est reproduite, et même, vous allez dans les restaurants ouvriers aujourd'hui, vous voyez ça. Vous voyez des sardines, du thon, de la charcuterie, et puis après le plat de viande, le moins cher de chez Métro, et après le... Et c'est la culture, c'est comme ça. Donc ça veut dire que si on veut aller vers des bons produits, il faut aussi réfléchir à la notion d'équilibre, parce que c'est souvent les redites dans un menu qui font qu'on a du mal à passer à la qualité, et puis les gaspillages, etc. Bon, je pourrais développer, mais on manque de temps. La troisième chose, c'est la notion de diversité. C'est lié d'ailleurs avec ce que je viens de dire. La diversité, on nous a assez dit sur nos paquets de chips qu'il fallait manger 5 fruits et légumes. Bon, on a compris, et tout le monde comprend que dans les suivants, on a pas mal de milieux en France, et pas que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, des fois des gens qui ont de l'argent, où les enfants ont un grand maximum de 5 ou 6 sortes, 10
légumes au maximum dans l'année, toujours les mêmes. La tomate, la carotte, le haricot vert, la courgette, brocoli. Depuis quelques années, le brocoli fait partie des fondamentaux aussi. Mais je pense que tout le monde sait que quand on va sur un marché, au fil des saisons, on peut avoir facilement 40, 50, 60, 70 variétés. Et en fait, moi, je ne fais pas de jugement moral là-dessus. C'est qu'on comprend bien qu'un enfant qui a la chance de grandir dans une famille où on fait un potager avec des productions comme ça saisonnières, où les parents vont au marché et va avoir comme ça 20, 30, 40, non seulement il a des apports nutritionnels plus variés, il a une éducation au goût beaucoup plus importante, et en plus ça contribue aussi à une diversité des agricultures et des productions. Donc on voit que les impacts sont très importants sur les fruits et légumes. Mais la diversité, c'est aussi les féculents. Les féculents, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi dans l'alimentation, les féculents ? Ben voilà, c'est notre énergie, notre carburant, c'est le glucose, sous forme de glucides complexes. On va décomposer l'amidon, qui est une forme de glucose sous une forme chimique plus élaborée, pour arriver à avoir des apports en glucose dans le temps. Contrairement à la représentation commune, c'est pas les féculents qui font grossir. Les féculents sont plutôt préventifs à la prise de poids quand ils font partie d'une alimentation variée, et c'est important dans les repas de cantine mais aussi à la maison d'avoir un féculent. C'est pas une honte de manger des pâtes, du riz, mais par contre c'est dommage de manger que des pâtes et du riz ou de la patate. Quand on va montrer en Bretagne des grains de sarrasin d'un producteur local qu'on va cuire et puis qu'on va transformer en faisant soit des petites galettes, soit des petits gratins, des crumbles, des petites tomates farcies ou des choses comme ça, ou des salades bretonnes avec du sarrasin, des petits dés de chou-fleur. C'est pas pour faire style, on fait un repas bio, on mange des graines, c'est sympa. C'est parce que vraiment c'est intéressant que les enfants aient aussi ce goût-là et aussi ces apports-là. Et qu'on ait des filières courtes qui nous produisent ces féculents, parce qu'en Bretagne, on a du poisson, et avec le poisson, on nous sert tout le temps du riz ou des patates. Je ne sais pas où sont les rizières en Bretagne. Mais on a des producteurs avec d'autres féculents, le millet dans l'Ouest. Et donc, moi, mon métier, c'est de montrer, par exemple, l'utilisation de ça. Comment, quand on fait chauffer des grains de sarrasin, de millet, saisis par un volume et demi d'eau bouillante, et qu'on les laisse gonfler tout seuls, on a des grains bien éclatés qui ont un vrai goût de galette de blé noir. Et que pour beaucoup de gens, quand on met un morceau de beurre là-dessus... Ah bon, oh, c'est super, où est-ce que t'en trouves ? Et que avec le poireau que j'ai cuit à l'étouffée, sans eau, sans matière grasse, que je mets sur des grains de sarrasin, on a à moins d'un euro un plat 100% bio, avec des petites lamelles d'un fromage local, plutôt que plein d'emmental, pas cher, pas bon. On arrive à faire des repas 100% bio. Un euro, pour certaines familles, c'est encore trop. Mais ça fait partie des découvertes qui élargissent les possibles. Mais vous voyez, on a pris des bons poireaux qui ont du goût, on a tout gardé, on les a cuits à basse température avec un minimum de pertes, ils ont un maximum de goût, et on les fait découvrir dans des plats qui ouvrent ce qui était connu, dans des repas où on peut encore mettre des miettes de poisson ou un petit peu de lardon sur ce gratin, mais au fond, ça tient debout tout seul, parce qu'une galette de blé noir avec dedans un fondu de poireau et du fromage, c'est déjà très bon. Et on lui a donné une autre expression en élargissant. Féculents, le gras, les huiles, je ne sais pas si j'ai besoin de développer ça, mais vous savez, dans le plan national nutrition santé, c'est marqué 5 fruits et légumes. En dessous, c'est marqué manger du pain de mie complet, du riz de mie complet. Vous saviez ça, que dans le programme national français, c'est marqué manger du pain de mie complet, des pâtes de mie complet. Voilà aussi des choses qu'on montre dans les cantines, parce que quand on passe des nouilles blanches, premier prix, à des nouilles bio, et on a des producteurs de pâtes dans l'Ouest, nous, je viens de l'Ouest, donc je peux vous parler aussi de ce coin-là, le poids du féculent dans le prix du repas, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Même si on passe d'une pâte à 1 euro le kilo à une pâte à 4 euros le kilo, la portion par enfant va passer de 7 centimes à 15 centimes, 20 centimes, 22 centimes. Ce n'est pas ça qui bouleverse la donne du coût du repas.
et ça nourrit plus. Mais ça, c'est quelque chose dont il faut faire l'expérience. Et la dernière chose, dans la diversité, c'est les protéines. Alors, c'est la grande question. Manger de la viande, j'aime la viande, végétarien, tarien, toutes les représentations qu'on a sur la viande. Mais les protéines, puisqu'on nous dit que c'est pour ça qu'il faut manger de la viande, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi, les protéines ? Nourrir les muscles, quoi d'autre ? Régénérer les cellules ? C'est pour les muscles. Vous êtes d'accord ? Bon, il y en a qui hochent la tête, il y en a plein qui n'osent pas parce qu'ils ont peur. la représentation commune, partout, 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 c'est que les protéines, c'est pour les muscles. Et vous, encore en 2018, la pensée magique en alimentation, c'est majeur. Je mange des muscles, j'ai des muscles. Tu manges de la cervelle, tu seras intelligent. Bon, on ne mange plus de cervelle aujourd'hui, donc c'est un peu... ou alors c'est vraiment très rare. Mais je peux vous demander de vous lever ? Oui. Bon, surface. Miss protéines. Voilà, ça c'est des protéines. Ça c'est des protéines. Ça c'est des protéines. Tout jusqu'aux ongles de pied, c'est de la protéine, y compris l'hémoglobine, y compris les neurotransmetteurs, y compris les hormones. On est de la protéine de haut en bas. La peau, les yeux, les organes, tout, les cheveux, les muscles. Merci. Et la fonction des protéines, c'est pas les muscles, c'est pas donner des forces. Parce que quand les gens disent, en général, le deuxième mot qui sort après les muscles, c'est pour donner de l'énergie. Tout le monde pense que, effectivement, si on mange de la viande, on va avoir de l'énergie. Et du coup, ce serait intéressant de comprendre. J'ai entendu un professeur de nutrition il n'y a pas longtemps qui disait aucun aliment n'est obligatoire. Ce qu'on a besoin, c'est des nutriments. On a des besoins en protéines. La question, c'est est-ce qu'on va les chercher au niveau animal ou est-ce qu'on va les chercher au niveau végétal ou est-ce qu'on varie ? Est-ce qu'on alterne ? Les repas alternatifs, la cuisine alternative, manger autrement, c'est cette notion de pouvoir alterner. Or, dans cette opulence de l'après-guerre des années 60-70, les repas se sont transformés, les frigos, les congélateurs sont arrivés, la viande à pas cher est arrivée, produite de façon très industrielle. En fait, elle a beaucoup de coûts indirects. Et ce n'est pas la viande qui est en cause, c'est d'avoir que de la protéine animale, de l'entrée au dessert, comme on a dit, mais aussi tous les jours. Et il n'y a pas d'histoire de ça. Alors, c'était une des questions qui était posée. C'était, alors comment on fait si on enlève, si on fait un peu moins de viande ? Je vous écoute. En fait, il y a plus de... En fait, l'animal, il est comme nous. Il a 70% d'eau, du gras. Et puis, quand vous prenez un steak de 100 grammes, il y a 20 grammes de protéines. Quand vous allez prendre des légumineuses à sec, vous avez plus de protéines. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est, les légumineuses ? Tout ce qui pousse en gousse, avec des graines à deux cotylédons. Les lentilles, les pois, les haricots, les fèves. Un produit incroyable, une variété incroyable de végétaux, puisque c'est des engrais verts. Quand vous faites pousser des haricots, des lentilles, des pois, ça fixe l'azote de l'air dans le sol. Plus besoin de mettre des engrais azotés qui demandent du pétrole, qui dégagent des gaz à effet de serre. On a un fertilisant naturel. Et puis, quand on mange des lentilles, des pois, des haricots, des fèves, non seulement je vais expliquer comment ça marche les protéines avec eux, mais aussi c'est des féculents. Et puis c'est des féculents riches en fibres. C'est-à-dire c'est aussi des légumes. Les haricots, ça fait partie des 5 fruits et légumes. Donc quand vous mettez ça bout à bout, vous voyez que pour pas cher, on peut acheter des boîtes de haricots à moins d'un euro pour une famille. C'est beaucoup plus nourrissant qu'un plat de pâtes. Mais ouais, parce que c'est riche en protéines et riche en fibres, c'est incroyable. Sauf que
Les haricots, on les a toujours mangés avec des saucisses, avec de l'un, et puis ça fait péter, et puis tout ça, quoi. C'est quelque chose qui est un peu quitté. On en mangeait 16 kilos par an et par habitant en 1900, 1,6 kg en l'an 2000. 16 kilos, 1,6 kg, divisé par 10 en 100 ans, pendant qu'on multipliait la viande presque par 3 en France. Partout où le niveau de vie augmente, on délaisse les protéines animales pour arriver aux protéines végétales. Alors, juste 3 minutes d'explication sur les protéines. On a dit, c'est les cheveux, c'est les yeux, c'est la peau. Très bien. Comment c'est foutu ? Les protéines, c'est un cheveu récupéré sur la scène de crime. Donc, ce n'est pas l'ADN que je vais dessiner. C'est juste un cheveu. Et quand on regarde, en fait, c'est des petits éléments. Bon, c'est un cheveu, c'est un bout d'organe, c'est un bout de peau, un bout de globule, peu importe. C'est des petits éléments qui s'enchaînent, qui vont constituer la trame d'une cellule et qui s'appellent des acides aminés. Vous avez déjà entendu ce mot-là ? Ça s'appelle des acides aminés. Il en faut un peu plus d'une vingtaine pour faire un corps humain, d'acides aminés pour faire notre matière. Eh bien, il y en a une partie, on les fabrique nous-mêmes, mais celui-là, on ne sait pas les fabriquer. On n'est pas capable, c'est essentiel qu'ils soient dans notre assiette. Donc sur les aliments qu'on mange, il va falloir qu'on trouve un certain nombre d'acides aminés essentiels. Ils sont au nombre de 8 pour les adultes. 8 acides aminés essentiels. Les protéines, ça sert à construire. Les enfants grandissent. Nous, on se blesse, ça se répare. On a des cellules mortes qu'on évacue, on reconstruit. Pour pouvoir construire, il faut qu'on ait tous les acides aminés, dont les fameux 8 qu'on ne produit pas nous-mêmes, comme les acides gras essentiels. C'est très important qu'ils soient dans l'alimentation. Bon. Alors, où est-ce qu'on les trouve ? Où est-ce qu'on trouve nos protéines ? Chez les animaux ou chez les végétaux. OK ? Alors, les 8, je vais faire avec mes doigts. Je suis désolé pour l'enregistrement. 8 acides aminés, vous les voyez ? Si je mange dans un repas une escalope, un beefsteak, une tranche de rôti, une viande en sauce, un filet de poisson, une omelette, des œufs, des produits laitiers, des machins, est-ce que j'ai les 8 acides aminés d'après vous ? L'animal est très proche de nous, il a fait sa synthèse et toutes les matières animales sont en effet pourvues de ces fameux 8 acides aminés. Si vous faites un repas autour d'une viande, d'un poisson, d'où le côté, en dehors des repas festifs, le côté idiot d'en mettre en plus en charcuterie, plus en plus en fromage, plus en plus en œuf dans le dessert, sur des repas du quotidien. Parce que c'est ça qui fait que ça coûte cher. Et qu'on ne pourra pas passer à des viandes de qualité si c'est tous les jours autant de protéines animales. Donc, aliments animaux, j'ai les 8 acides aminés, tout va bien. Aliments végétaux, on vient de parler des légumineuses, 25% de protéines dans les lentilles vertes, à peu près autant dans les haricots du sud-ouest, un poil moins. Dans les pois chiches, c'est à peu près pareil. Et dans le soja, un de ces fameux fameuses légumineuses, 40%. C'est pour ça qu'on va couper la forêt du Brésil pour cultiver du soja, pour importer pour nos volailles et nos porcs, pour que très vite ils fassent de la protéine et très vite de la matière, pour qu'on fasse du poulet à pois cher et du cochon à pois cher. Et des vaches aussi. Donc, légumineuses, est-ce que j'ai les 8 acides aminés dans les légumineuses ? Alors, la réponse, elle est un peu pas tout à fait ce que vous dites. C'est oui, mais j'ai un acide aminé qui est manquant, enfin qui est peu présent. Il est peu présent, ça s'appelle la méthionine. Bon, mettons qu'il en faut là. Tant que j'en ai un peu, ça va, mais au-delà de ça, je ne peux pas utiliser les 7 autres. Ça veut dire que dans une assiette de lentilles, si du
fait de cette carence d'un des acides aminés, en fait, je vais très mal assimiler les protéines des lentilles. Je ne vais pas pouvoir utiliser toutes ces protéines parce que je ne vais pas pouvoir construire après si je ne mange que des lentilles. Au niveau végétal, il y a une autre famille, c'est les céréales. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Les céréales. Ça pousse comment ? On a dit que les légumineuses, ça poussait en gousses. Légumène, ça veut dire gousses. En épi. Voilà. En épi, ce qu'on appelle classiquement les céréales, tous les blés, orge, avoine, seigle, épeautre, le riz, le maïs, un peu différent déjà, et puis des petites graines comme le sarrasin, le millet, le quinoa, qui sont encore d'autres familles botaniques, mais qu'on classe sous ce nom chapeau de céréales parce que nutritionnellement, c'est très proche. Alors, dans les céréales, est-ce que j'ai les 8 acides aminés ? Oui, mais c'est un autre qui manque. Légumineuse, j'ai très peu d'un des acides aminés. Céréales, je l'ai, mais c'est un autre qui manque, la lysine. Et on regarde les cuisines du monde. Vous voyez, avec mes cuisiniers de cantine, j'en avais encore cette semaine. On se met autour du table, j'ai plein de petits pots de graines et je leur fais classer dans un coin les légumineuses, et dans l'autre, les céréales. Et puis après, je prends, du blé sous forme de coquillettes, des haricots, minestrone. Coquillettes et haricots, minestrone. Riz, lentilles, l'Inde. Maïs, haricots, Amérique centrale, Amérique du Sud. Riz, grain, riz, haricots. Dans le sud, l'hémisphère sud, c'est quotidien. C'est l'alimentation quotidienne pour des populations qui, souvent, dans les modèles traditionnels, mangent assez peu de viande. On va tuer un animal, c'est souvent d'ailleurs ritualisé, ça a du sens pour la communauté, mais au quotidien, ça peut être plutôt un petit peu de viande, et la viande, on la mangera en quantité que le dimanche. Et moi, j'ai eu plein de gens en cours de cuisine qui étaient nés dans les années 40, 30, 20, qui disaient « quand j'étais jeune, on ne mangeait pas de la viande tous les jours ». C'était un aliment plutôt du dimanche, et puis il y avait un peu de lard dans la soupe, il y avait un petit peu de viande de salaison, mais quand on regarde ce que les gens mangeaient, c'était plutôt des potées, je pense que ça peut vous parler dans le sud-ouest, des potées avec des légumes du moment, des légumes du coin, et puis là-dedans il y a un peu de haricots, ou de lentilles, ou de fèves, ou d'un autre légume sec, il y a un bouillon, et c'est mangé avec du pain, ou c'est mangé avec des pâtes dans d'autres régions, ou avec de la semoule, le couscous, couscous, pois chiche. Et en effet, dans toutes les cuisines du monde, on trouve cette association, riz soja en Extrême-Orient. Moi, je viens de la Vendée. Une des grandes spécialités populaires en Vendée, c'est la grillée de Mogette. Des haricots blancs, très cuits, qu'on tartine sur du pain grillé, avec un peu de beurre. Les écoliers, dans la première moitié du XXe siècle, c'était leur seul repas protéine de la journée, en fait. Et de temps en temps, il y avait de la viande. Et pourtant, ils avaient des cheveux, ils avaient des yeux, ils avaient des muscles. Et ils faisaient de l'agriculture sans tracteur. Ils avaient intérêt d'avoir de l'énergie. Et dans le Maghreb, c'est ça. Dans le Maghreb, c'est pas tous les jours couscous royal, avec merguez, poulet, mouton. Non, c'est plutôt de temps en temps, il y a un peu de volaille. De temps en temps, on tue un mouton. Mais au quotidien, c'est assez pauvre en protéines animales. Et là encore, les gens ont les protéines puisqu'ils ont un corps humain avec tout ce qu'il faut pour un corps humain. Donc ça, c'est des petites choses qui sont intéressantes de comprendre. Puis après, il faut les concrétiser. Alors par exemple, je vous ai donné l'exemple d'un crumble avec du millet, des haricots écrasés à la fourchette, du millet ou du couscous ou du boulgour. Tout le monde peut faire ça. On cuit du boulgour. On écrase des petits pois chiches, ça c'est une association Liban-Syrie, boulgour pois chiches. On y met des petites choses qui vont croquer, des petites graines ou des amandes ou des choses comme ça, éventuellement un peu d'huile d'olive, un peu de fromage si on a envie. On malaxe tout ça et puis on met ça sur des légumes, on a un visuel crumble. Et si on met un peu de viande là-dedans ou un peu de poisson là-dedans parce que ça passera mieux à la maison, pourquoi pas ? Mais c'est plus 100 ou 120 grammes de viande par personne. Ça tient debout, c'est bon, on sait qu'on a tout le travail des épices possible. Et voilà. Alors, je vais
arriver, parce que je voudrais qu'on ait un petit temps d'échange pour terminer. Je voudrais conclure tout ça et on verra si j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Les grandes représentations de la qualité alimentaire sont toujours regroupables sur ces trois choses-là pour ce qui est du contenu de l'assiette. Comment c'est cultivé, comment c'est transformé, comment c'est varié. Tous les mots qui sont dits sur le contenu de nos assiettes, avec tous les impacts en amont sur l'agriculture, sur la santé, sur beaucoup de choses, sont regroupés dans ces trois catégories-là. Mais on peut bien faire un repas super bio, super cuit à basse température et diversifié si je n'ai pas de plaisir, si ça ne veut rien dire pour moi, s'il n'y a pas de sens, si on ne m'apprend pas à aimer ça, il n'y a aucune raison que j'y aille. Est-ce que vous savez pourquoi les enfants n'aiment pas les légumes ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le mot nouveau qui a été utilisé. En effet, les omnivores, on est omnivores par notre histoire. Il n'y a pas de théorie valable qui puisse dire qu'on soit fait pour être végétarien ou fait pour être carnivore ou fait pour être viandard ou ceci ou cela. On est historiquement omnivore parce qu'en fait, on s'est nourri de ce qu'il y avait. Il y a des époques, on était même charognard. Des époques, on était plus carnivores parce qu'il y avait des problèmes de culture. Donc, tous les rats, les écureuils, tout ce qui passait à portée était mangé et faisait alimentation. Des périodes, au contraire, où c'était que les riches qui mangeaient de la viande et les autres couches de population ne mangeaient que des végétaux. On est des omnivores. Les omnivores sont néophobes. Néophobes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont peur de l'aliment nouveau. Vous êtes herbivores ? Vous têtez la mer, vous allez à l'herbe, direct. Vous ferez le tri entre les bonnes et les mauvaises. Vous êtes carnivore, vous têtez la mer, vous commencez à grandir un peu, il y a une souris qui passe, la mer apprendra peut-être des trucs de chasse, mais le petit ira directement vers les aliments qui lui conviennent, et en plus, il peut se suffire, l'herbivore peut se suffire d'herbe, le carnivore peut se suffire. L'omnivore a, par son histoire, une variété d'aliments et pratiquement tous les aliments possibles, mais parmi les aliments possibles, il y a évidemment des poisons. Puisque si on peut tout manger, on peut aussi s'empoisonner. On a donc une défiance naturelle, notamment chez les enfants, passé un an et demi, quand il commence vraiment à y avoir une conscience de soi, de ce qu'on préfère, et un enfant préfère les saveurs originales liquides et sucrées avec lesquelles il est venu au monde, quand il prend conscience de ce qu'il préfère, il va tout le temps préférer ça. Et tous les aliments qui sont d'éventuels poisons vont être, et notamment les aliments verts, vont être plutôt rejetés. Quand on sait stimuler la curiosité d'un enfant, sa participation à un petit potager, à une recette de cuisine, il y a beaucoup de possibles. On peut vraiment élargir. Mais sinon, on est naturellement néophobe. C'est-à-dire, je dessine un petit bonhomme là, une assiette avec quelque chose dedans, il y a une frontière. On ne pourra pas aller là. Et ça nous dit que pour que ces trois choses tiennent debout, on a besoin d'autres mots que vous avez utilisés, que ça ait du sens, que ça s'apprend, ça se communique, ça s'explique, ça se découvre avec nos sens. Le plaisir, vous l'avez dit, c'est les yeux, c'est la bouche, c'est les odeurs. C'est les parfums. Or, les enfants qui n'aiment pas les légumes, on a participé avec des collègues à des programmes où ceux qui étaient passés par des ateliers où il y avait des potagers, des ateliers culinaires et des ateliers sensoriels où on leur faisait verbaliser ce qu'ils ressentaient face à des légumes, des endives, des choux de Bruxelles. L'enfant qui passe la feuille d'endive là, qui entend le petit bruit que ça fait, qu'on laisse verbaliser la différence entre une endive crue, une endive cuite, ouais, c'est moche, c'est berque, c'est rigolo, moi, ma grand-mère, elle fait ceci, cela, et qu'on les met en groupe comme ça, ou un enfant qui aurait dit « j'aime pas, pourquoi t'aimes pas, j'aime pas, vas-y, goûte, j'en veux pas »,
quand il entend son copain qui dit autre chose que lui, prend conscience de ses sens. Il prend conscience de sa capacité d'évoluer en tant que mangeur, parce que son copain, il aime ça, lui. Il est capable de mettre des mots sur ses sens, ce qu'il sent, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que tu goûtes, etc. Et c'est vrai que les enfants, quand ils sont passés par les quatre premiers sens, sont toujours très curieux du goût, pourvu qu'on leur donne l'occasion de verbaliser leurs sensations. Donc, le sens et l'essence, ça c'est important, ça s'apprend, c'est l'éducation à bien manger, mais c'est aussi le temps nécessaire. Si c'est toujours au lance-pierre, je me suis acheté une petite salade bio parce que tu comprends, je vais à mon cours de yoga, que c'est, c'est bio, c'est végétarien, d'accord, mais est-ce que c'est du bien manger durable? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'une alimentation de qualité? Parce que dans les mots, c'est sorti aussi le partage, la convivialité. Et que quand on fait un repas, on se nourrit aussi, non seulement du producteur qu'on a peut-être vu sur un marché, et on met un visage derrière cette pomme, derrière ce fromage, derrière cette viande, et puis peut-être on a même visité son exploitation, et que c'est aussi une des choses fondamentales qu'on peut faire avec des gens qui sont démunis ou des enfants, pour les aider à élargir leur répertoire alimentaire, c'est de les emmener ou de faire avec eux des aliments, fabriquer des aliments. Et on ne pourra pas aller vers une qualité alimentaire si on ne lit pas tout ça. Mais aujourd'hui, on a des expériences dans des cantines avec des tout petits budgets matières premières où on arrive à monter à 20, 30, 60% de bio, 70% de produits locaux à budget constant, en jouant sur tous ces leviers. Mais c'est de l'éducation, et si ça repose que sur les épaules du cuisinier, ça ne marche pas. Ça marche quand l'alimentation redevient un projet dans l'école. Parce que quand on mange, on se met des maths, on se met du français, on se met de la citoyenneté, on se met de la biologie, de la physique, de la chimie, dans le corps, de l'histoire, de la géographie, on se met tout ça dans le corps, mais on voit tellement d'écoles partout, 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 où les profs y sont ailleurs, mais la cantine, c'est un temps off. Et si jamais l'équipe de cuisine qui voudrait faire un peu plus de cuisine fait un truc, il n'y a pas les conditions pour que ce soit accepté. Et on a vraiment besoin, alors il y a plein d'endroits aussi où ça commence à marcher, ça commence à bouger, mais c'est vraiment l'affaire d'une approche complexe. Et je voudrais regarder les questions que vous avez posées au début pour voir si... Je peux. Le grand enjeu de développement durable sur les protéines, c'est pas de devenir végétarien ou vegan, ou de manger tout bio. Le grand enjeu de développement durable par rapport aux problèmes qu'on connaît au niveau de la planète, c'est collectif. C'est la notion du collectif. Les gens qui mangent tout bien dans leur cabine, sur le Titanic qui coule, on s'en fout. Ah ben moi je mange sans gluten, super, t'as bien des raisons, on se sent mieux quand on digère peut-être mieux, on a des troubles chroniques qui vont disparaître si on arrête le gluten pendant un temps, c'est le cas de beaucoup de gens. Est-ce que pour autant, culturellement, la quatrième bulle que j'ai faite tout à l'heure, vous voyez, c'est aussi la culture alimentaire. La culture, c'est quelque chose qui sédimente pendant des années. Ah ben oui, j'ai lu que c'était pas bien le gluten et puis je me sens mieux. Bah ouais, mais j'aime la pizza, puis j'aime la brioche, et puis j'aime le pain. Bah ouais, mais... Et en fait, le vécu des régimes sans, ça va devenir un quotidien de frustration, un quotidien d'évitement. C'est possible, pour des raisons pathologiques, c'est possible. On sait tous que quand il faut, à un moment donné, arrêter pendant un temps, mais l'alimentation, c'est beaucoup plus que des nutriments. C'est des expériences, c'est des souvenirs, c'est plein de choses. Et au fond, la grande clé, c'est vraiment la diversité. Donc la notion de... Moi, je trouve ça super d'être végétarien si on choisit de faire l'expérience. Il y a ceux chez qui ça dure et d'autres peut-être pas. Vegan, c'est plus compliqué parce que c'est quelque chose qui suppose qu'il fasse complémenter l'alimentation avec des vitamines comme la B12, avec le fer, qui sera souvent insuffisant au niveau végétal ou mal assimilé. Sans parler
des présomptions de ah ben on peut être végan, de toute façon on peut se passer, mais t'en sais rien dans 5 ans. Moi, il se trouve que mon parcours particulier fait que j'ai commencé à faire de la cuisine bio dans les années 80, j'ai fait de la restauration, j'ai vu passer tous les régimes. Les macrobiotes, les crudivores du début des années 90, les pro-soja, les anti-soja, j'ai eu tout. Bah, tous ceux qui partent dans des régimes extrêmes, ça de dure. Enfin, il y a ceux chez qui ça dure. Bah, y a les gens qui aiment bien l'alimentation hyper épurée, toujours la même chose. Ils vivent bien avec ça parce que peut-être ils ont un mode de vie très particulier qui fait que ça fonctionne. Mais la plupart du temps, la notion de régime extrême, c'est-à-dire qui m'emmène loin de qui je suis dans ma culture, dans la sédimentation de toutes mes expériences alimentaires, sensorielles, etc., digestives, je mange vegan, mais au bout de 5 ans, 6 ans, j'en peux plus de manger des boulettes de pois chiches et des houmous de haricots et des trucs mous. Et j'ai besoin de mâche. Avec ma femme, on s'était rencontrés dans un contexte de yoga quand on avait 20 ans. À 33 ans, on a tout fait bien. On a tout fait bien. Les enfants, ils sont nés à la maison. On a tout fait comme il faut. Tout bien, mieux que tout. Bon. Un jour, à 33 ans, on est allé dans un café Centre Nantes. On s'est payé un paquet de clopes, 2 verres de vin blanc, une plancha de saucisson. Et c'était une expérience spirituelle. De libération, d'un certain nombre de choses. Voilà, alors après, c'est pas mieux. Hein. Aujourd'hui, je mange de la viande avec plaisir parce que j'ai des madeleines de Proust. Ma grand-mère, elle faisait des escalopes milanaises quand je venais la voir le jeudi, dans les années 60. Ah putain, moi, quand j'ai pas le moral, je vais dans une pizzeria, je demande une escalope milanaise. C'est pas souvent, c'est pas toujours de la super viande de veau, mais ça participe de mon équilibre. Mais ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, c'est d'évoluer collectivement. Et pour parler de l'accessibilité de l'aide alimentaire, moi, j'ai été sollicité, par exemple, sur des paniers qui sont en distribution dans le Grand Ouest. Il y a, je ne me rappelle plus du nom, 80 points de dépôt avec des colis qui sont donnés à des gens qui sont en difficulté. Ils ne sont pas donnés, ils sont vendus à très petit prix. Et il y avait des producteurs qui avaient commencé à faire du quinoa dans l'Ouest. Oh, il en restait plein. Et donc, la Banque alimentaire a récupéré ça et m'a demandé, est-ce que vous pourriez faire des cours pour qu'ils apprennent à cuisiner le quinoa ? On a discuté et on s'est rendu compte, enfin, moi, je leur ai demandé, est-ce que vous avez un peu une analyse critique de qu'est-ce qui est mangé, qu'est-ce qui n'est pas mangé dans vos paniers ? Qu'est-ce qui est préféré dans les paniers de la banque alimentaire, c'est les plats individuels, cuisinés, surgelés, qui fait qu'une personne en difficulté sociale, on va dire, se sent comme les autres, sent qu'elle peut manger comme les autres. Je ne sais pas si ça résonne avec votre expérience. Voilà. Et les conserves, la junk food, les chipsters, les machins, les trucs, alors ça y va. Les sodas, les yaourts aux fruits par 12. Tout ça, c'est mangé. Et qu'est-ce qui n'est pas mangé ? C'est les légumes. L'autre jour, il n'y a pas de jugement. Enfin, moi, les jugements, ça n'a rien à faire dans la question alimentaire. Le bien, le mal, c'est toujours ça qui nous envoie dans le décor quand on veut changer les choses en termes de développement durable. Il faut plutôt se demander la question de ce qui fonctionne ou pas. L'autre jour, je suis venu dans le sud, enfin, un peu plus loin de chez vous, un peu plus au-dessus de chez vous, à Périgueux. C'était un week-end de gilets jaunes. J'entends très bien et je comprends absolument les problèmes qui sont posés. On est tous dans cette confusion actuelle. On voit les problèmes environnementaux, on voit les problèmes des gilets jaunes, on voit les questions fiscales, les questions politiques, tout ça, on les voit. Mais tous les barrages, j'ai dû être bloqué à 3-4 barrages et à des ronds-points. Et qu'est-ce qui était mangé ? Des chips, du soda, des merguez premier prix. C'était ça partout. Notre vrai problème, notre vraie question en tant que société, c'est que l'accessibilité, elle est d'abord culturelle. L'accessibilité, elle est culturelle. Vous pouvez mettre des produits bio, des légumes de qualité, à des gens qui... Vous pouvez faire des incroyables comestibles, des potagers gratuits au pied des immeubles. Il y a une partie
des gens qui habitent dans ces immeubles, qui certains ont des problèmes de budget de fin de mois, mais la côte de bête qui pousse là, la courge butternut, le fenouil, moi ça se mange pas. Ça se mange pas. C'est pas des aliments, c'est pas des comestibles. Et ça, ça demande des expériences collectives, ça demande des expériences autour de la casserole. Et là, on voit tout le monde qui s'ouvre quand on commence à faire une approche de la cuisine où on comprend ce qu'on fait. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la cuisson des poireaux. Sans eau, sans matière grasse, cuire le poireau dans sa vapeur. Juste des poireaux. Blanc, vert, coupé, une casserole pleine. Pas une casserole à 300 euros, une casserole à 20 euros en inox avec un petit fond épais. Une assiette en guise de couvercle. Alors, on met plein gaz, ou alors, mieux, un lit de poireaux, puis dessus, le légume qu'on ne connaît pas d'un panier à MAP, d'un producteur, d'un maraîcher, un légume d'hiver qu'on n'a jamais mangé, on le coupe en morceaux, on le met sur un lit de poireaux. La racine qu'on n'a jamais goûtée, la courge qu'on n'a jamais goûtée, on met ça. La casserole pleine, un couvercle, on met feu fort 3-4 minutes, et puis je tends la casserole et je fais faire à tout le monde toucher, je leur fais faire le serment de la casserole. Vous jurez d'être des bons cuisiniers, je leur fais toucher le couvercle. On met 3-4 minutes feu vif. Qu'est-ce qui se passe dans ces 3-4 minutes feu vif? Parce que la casserole est pleine et que les légumes en moyenne contiennent 90% d'eau, on a mis un petit peu de sel, mesuré, et ce sel va faire dégorger de l'humidité qui va partir en vapeur, qui va remplir l'espace. Et quand on sent que le couvercle est chaud au point qu'on ne puisse plus laisser la main, on met tout doux et on a créé une étuve et le légume va cuisiner. Moi, je suis pas, encore une fois, ce n'est pas une posture. Je suis un tout petit cuisinier de rien du tout. Il n'y a pas de prétention de concurrence avec les chefs. J'ai rempli des restos et depuis 30 ans, 32 ans que je monte ces jardinières où on mélange des légumes avec que ça dans la casserole. Et on ne met pas d'huile parce que l'huile, dans une cuisson comme ça, n'aide en rien. On achète cher une huile d'olive de première pression à froid, mettons-la en fin de cuisson, quand on n'a pas besoin de mettre des épices au début d'un plat. Mettons-la en fin de cuisson, quand on ne rissole pas. On met que des légumes, de la chaleur, c'est comme un tagine, ça part en jus, ça cuit dans son jus, ça remplit l'espace. Et moi, j'entends depuis 32 ans, « Oh putain, c'est incroyable le goût de ces légumes. On n'a même pas besoin de mettre de beurre, on n'a pas besoin de mettre rien à la fin. » Oui. C'est bien de le mettre, même un bon beurre. Oui, c'est dommage. Il y a des fois, on est obligé. Il y a des fois, on met des trucs dans une poêle, on est obligé de mettre du gras, il va s'abîmer un peu. Il y a des fois, on veut faire une bonne préparation aromatique provençale à l'indienne ou je sais pas quoi, ou marocaine. On va travailler les épices dans la matière grasse au départ, et puis après, on va cuire là-dedans, c'est très bon. Mais c'est vrai, quand on peut mettre plutôt la matière grasse à la fin, ben, c'est plus intéressant, surtout quand on a payé le prix d'une bonne huile. Vous voyez, c'est encore la question de l'accessibilité. Je ne sais plus ce que j'ai fait de ma feuille avec les 4 bulles. Elle est là. La question, tout le monde a des habitudes différentes, et aujourd'hui, la question de la transition écologique, c'est comment on peut faire des petits pas. Mais tous, les cantines, on peut faire des sacrées choses dans les cantines, si on comprend qu'on n'est pas dans le modèle gastronomique du client roi, du talent du chef, mais que si les chefs apprennent une cuisine performante, adaptée à la production économique sans gaspillage, que les élèves, on les sensibilise par le tri sélectif des restes de l'assiette, par tout un tas de choses. Vous savez, il y a beaucoup de cantines. Le collégien, il passe, il prend 5 tartines de pain, il va en manger 2. Si le vendredi, on met toutes les tartines de pain qui ont été perdus dans la semaine, pas dans un esprit de culpabilisation, dans un esprit de prise de conscience. On voit les pertes de pain qui sont divisées par 5 dans les semaines et les mois qui suivent. Le convive en restauration collective est co-responsable de la qualité. En tant que mangeur, par rapport à nos producteurs bio, on est co-responsable de leur capacité à changer la donne en termes d'environnement. Mais pour pouvoir acheter la viande d'un producteur bio,
il faut qu'on remette en question notre façon de ne pas mettre de la protéine animale d'un bout à l'autre du repas, et quand il y a de la viande, de bien la cuire, et peut-être aussi de développer des plats dans lesquels il y a juste un peu de viande qui va donner du goût. Et puis qu'on aille aussi redécouvrir les trucs incroyables qu'on peut faire avec des légumineuses. Le bouquin, savez-vous, pour goûter les légumes secs, là, qui doit être dans le stock ici, puis il y a le libraire de la Renaissance qui est là, c'est un livre qu'on a fait pour l'école des hautes études en santé publique. Moi, je travaille depuis 32 ans pour les filières bio, on va dire, enfin pour faire bouger les choses vers le bio. Mais là, ce n'était pas du tout le contexte. Là, c'était vraiment l'idée de toucher toute la population, et en particulier des gens qui travaillent auprès de publics en précarité. Et la question, ça a été, on mange presque plus de légumes secs, et pourtant c'est des choses extrêmement économiques, extrêmement nourrissantes, beaucoup plus intéressantes que des pâtes, pas chères en boîte. Des conserves, on en a fait tout le temps. Une boîte de conserve, c'est moins bien qu'un haricot frais, mais on pourrait même se demander, en termes de développement durable, s'il faut mieux qu'un industriel cuise 10 tonnes de haricots, ou si 10 000 personnes font chacun cuire une casserole de haricots. En termes d'impact écologique, c'est une vraie question. Bah, une boîte de haricots, une boîte de pois chiches, avec un collègue cuisinier habitué à aller montrer ses cuisines très simples devant tout type de public, on a montré qu'on pouvait faire des mayonnaises 4 fois moins grasses avec 50% de haricots, 25% échalotes, moutarde, vinaigre et 25% des huiles de qualité, dont du colza et du tournesol produits près de chez nous en première pression à froid sur les fermes. Et on a tous les acides gras, oméga, tout ça, mais on a divisé par 4 le gras, et quand tout le monde goûte dans un blender, vous mettez 50% de haricots, 25% de échalotes, moutarde, vinaigre et 25% d'huile, olive, colza, tournesol, ne serait-ce que deux, là, histoire de varier les acides gras. Vous mixez ça. C'est tous les usages d'une mayonnaise, et c'est plutôt qualitatif, et en plus ça apporte des protéines, et parce que le haricot est tellement onctueux, on peut diminuer le gras. Des gâteaux où on fait à partir d'une purée sucrée de pois chiches, de lentilles, de haricots, des fondants au chocolat. Il y a beaucoup, beaucoup de cantines qui font ça maintenant, parce que c'est une façon de refaire manger aux enfants des légumineuses. Et sur la question du coût, je voudrais donner un dernier exemple, et puis je vais arrêter de parler parce que je suis très bavard. Quand j'interviens pour la première fois dans une cantine où j'ai droit à « bio c'est trop cher, on n'a pas le temps », etc., la première chose que je fais avec des cuisiniers, c'est un bavarois au jus de pomme. Un litre de jus de pomme bio local, il y a toujours dans un rayon de 30 km des pommiers à peu près partout en France, enfin, sauf en haute montagne, des producteurs de jus de pomme, un bon jus de pomme qui a goût de pomme, un litre, 1,60, 1,80, 2,20, un kilo de yaourt d'un producteur local, souvent qui peut être livré en seau, 1,50, 1,80, 2,20 €, acheté par une cantine. Et puis 150 g de sucre, 8 g d'agar-agar. Est-ce que vous voyez ce que c'est l'agar-agar ? C'est un gélifiant à base d'algues. On fait chauffer le jus de pomme, on verse la bouteille de jus de pomme dans une casserole, on met le sucre, on met 8 g d'agar-agar, et quand ça bout, ce litre à 100 degrés, on le mélange avec 1 kg de yaourt. 100 degrés, 3 degrés, ça ne décompose pas le yaourt. On verse dans un plat, on colle quelques tranches de pain brioché et on met au frigo. Ça prend 10 minutes qu'on fasse 20 portions, 50 portions ou 200 portions avec 8 litres de jus de pomme et 8 kilos de yaourt. 10 minutes, un quart d'heure à mettre en place. 100% bio, 20 à 25 centimes par enfant, un quart d'heure de préparation. C'est une technique parce que le cuisinier qui voit ça, il pourra le refaire avec un coulis de fruits rouges, il pourra le refaire avec un hectare de pêche, avec une compote de poire. Il pourra le faire avec du fromage blanc, il pourra le faire même avec du yaourt soja s'il y a des allergiques aux produits laitiers. C'est un mode opératoire. Ça marchera et ça se déclinera. C'est ce qu'on a fait aussi pour les légumes secs. Et c'est de leur montrer comme ça des recettes génériques où ça marche avec les lentilles, ça marche aussi avec le haricot. C'est curieux, mais quand vous faites, là hier avec un groupe, on a fait des rillettes de poisson. Une boîte de sardines, 100 g de sardines, 120 g de mojettes,
de haricots blancs. Je suis dans le sud-ouest, donc c'est quoi, Tarbes ou je sais pas, enfin bon, bref. 120 grammes de haricots blancs cuits, écrasés à la fourchette. 100 grammes de sardines avec les arêtes qui vont vous amener le calcium. Vous serez content, comme ça, vous n'allez pas tomber en miettes si vous ne mangez pas vos 3 produits laitiers par jour. Donc, voilà. Et puis, un petit peu d'échalotes, 30-40 grammes d'échalotes, 30-40 grammes de crème fraîche, un demi-citron. D'habitude, les rillettes de poisson, c'est 70% de poisson, 30% de beurre ou de crème. Ben là, on est passé au contenu d'une boîte de sardines, 120 grammes de haricots blancs, un petit peu d'échalotes, un petit peu de crème, moins gras, 100% goût de poisson. Parce que les légumineuses, c'est des incroyables porteurs de goût. C'est super pour nourrir la planète en 2050 pour 10 milliards d'habitants. C'est super pour les sols, c'est des engrais verts. C'est super nutritionnellement parce que c'est fibres, protéines et légumes à la fois. Ça coûte pas cher. Ben ouais, mais on ne sait plus en manger. On ne sait plus en manger. Quand on regarde, le truc, c'est que, bah, comme tout le monde pense que bien manger, c'est manger des bons produits, et puis qu'on ne s'occupe pas des menus toujours pareils, on ne s'occupe pas des modes de cuisson et des gaspillages, on dit non, ce n'est pas possible. Mais quand on commence à bousculer tout ça, le haricot, c'est un incroyable porteur de goût. D'ailleurs, le cassoulet, historiquement, il n'y avait pas autant de viande que ça dans les cassoulets. C'était le cassoulet de fête dans lequel on mettait la poitrine et puis le machin et le canard et la croûte bidule qu'on casse. Historiquement, les plats de légumineuses en France, les petits salés, il y avait un peu de viande. Un petit peu de viande, la garbure. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu encore? Et puis, on va conclure là. Alors, si vous voulez, donc, si ça vous intéresse ce qu'on a fait, il y a le libraire qui est là avec le manuel de cuisine alternative. C'est un livre... c'est pas un livre de recettes. Enfin, il y a des recettes. Il y a toute une dernière partie avec des recettes, mais pour moi, c'est plutôt des plats qui nous apprennent à cuisiner autrement. Comment cuire à l'étouffée, comment constituer des petits plats très simples et économiques qui peuvent faire un repas à la maison, même en bio. Mais peut-être que bio, ça viendra au bout d'un moment. Bio, c'est pas un but, c'est un moyen de la qualité. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a demandé, mais est-ce qu'il peut y avoir une alimentation conventionnelle qui soit saine? Bio, c'est là, quoi. Si on n'est pas bon là, pas bon là, pas bon là, l'alimentation, elle n'est pas terrible, quoi. Elle ne va pas durer, quoi. Si on ne travaille pas en même temps sur l'acceptabilité, sur la culture du repas, ça ne durera pas, même si c'est bio. Si on mange tout comme avant et qu'on ne diversifie rien... ce sera toujours plus cher. Alors, quand on a les moyens, ça va, mais le jour où il y a une perte d'emploi, un truc comme ça, on arrête de manger bio. Mais ceux qui arrivent à manger bio pour pas cher, qui ont des petits revenus, en fait, ils ont bougé sur tout. Ils ont bougé sur tout. Et c'est compliqué. C'est qu'on a besoin d'échanges pour ça. Un peu de temps et de créativité. Donc, le manuel de cuisine alternative, c'est une façon d'aborder le sujet. Pourquoi on changerait? Est-ce que... on peut reprendre de l'autonomie pour faire soi-même le tri dans toutes les injonctions qu'on reçoit aujourd'hui sur vers où on voudrait aller, sur ce bien manger. Et peut-être que mon bien manger à moi, ce n'est pas le même que le vôtre. Mais on sait que collectivement, on a besoin d'aller vers des produits plus locaux, sans pesticides. Donc on peut avancer vers ça, etc. Ensuite, il y a des repères nutritionnels et puis des approches culinaires. Et puis le livre sur les légumes secs et puis le petit bouquin qu'on a fait. C'est pour ça que je suis allé en Chine, il est traduit en chinois, c'est « Manger moins et mieux de viande », c'est pour dédramatiser cette question, parce que c'est une question qui est toujours abordée en stigmatisant la viande, comme si c'était vraiment la viande le problème. On a le droit d'être vegan, on a le droit de refuser la souffrance animale, et tout le monde, personne ne veut manger d'un aliment associé à la souffrance. Mais on peut peut-être considérer la relation homme-animal, la relation homme-végétal, la relation au vivant, avec d'autres approches où tout le monde a sa place et où donner la mort quand les éleveurs ont respecté la vie, ça peut avoir du sens pour un aliment qui effectivement est très riche en protéines. Parce que même s'il n'y a que 20% de protéines dans un steak de 100 grammes, comme il y a beaucoup de pertes d'eau, à la fin vous avez un aliment qui contient plutôt 40-50% de protéines dans l'assiette et on n'a pas d'équivalent.
sauf à faire des soja concentrés, sauf à faire des choses comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on est très attaché à la viande, parce que quand on a des aliments aussi riches en protéines, il y a un effet stimulant. Ce n'est pas de l'énergie, c'est un effet stimulant. La mâche aussi est importante, c'est pour ça qu'on se lasse des cuisines végétariennes toujours molles, toujours en tas, informes. On est obligé de réfléchir aussi à la forme qu'on donne aux aliments quand on commence à intégrer les légumineuses, les céréales. Si c'est toujours pour faire un Buddha bowl où c'est tout mélangé, c'est sympa. Une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, au bout de deux ans, on n'en peut plus. C'est surtout ça. Vous voyez, l'accessibilité, la durabilité, c'est tout ça, quoi. Et c'est pas culturel, donc chacun fait comme on peut des petits pas, et on a un vrai besoin de le faire ensemble. Je disais en arrivant que souvent je fais des démonstrations de cuisine dans les médiathèques, là, comme Toulouse c'était loin, on l'a même pas envisagé, mais il y a certainement des cours de cuisine à Toulouse. C'est très intéressant d'apprendre à cuisiner ensemble. C'est très intéressant en mélangeant des publics aussi, en précarité, avec des gens qui savent un peu. Des gens qui savent un peu faire des cuisines économiques. Voilà, il faut que vous vous parliez avant de quitter. C'est pas démago ce que je fais. Et ce sera ma conclusion, quand on analyse les dérives de l'alimentation auxquelles on essaye d'apporter des correctifs aujourd'hui avec le bio, avec moins de viande, avec les circuits courts et tout ça, au fond, il y a un point commun à tous ces dérives, c'est la perte de sens. La perte de sens de l'aliment. L'aliment devenu une donnée comptable. Et si je peux faire 100 kilos au lieu de 80 kilos à l'hectare, si je peux faire 200 bêtes au lieu de 100, si je peux optimiser tout, et puis nous, on est devenus des mangeurs hors sol, on est en ville, alors là, les injonctions, ça pleut, quoi. Faut manger comme ci, faut manger comme ça. Là, il y a du fer, là, il n'y a pas de fer. Ah oui, mais tu ne peux pas être vegan. Ah oui, mais il faut être vegan, on peut bien se suffire des protéines. On est bombardé parce qu'on n'a plus aucun sens partagé. Et c'est pour ça que je vous ai fait travailler sur bien manger. Vous voyez qu'on était d'accord sur ce que c'était bien manger. On a besoin de partager ce sens et de le partager autour de l'assiette. Voilà, c'est fini. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des petites questions rapides? Ce qui est dommage, c'est que vous ne fassiez pas ce genre de conférence à la télévision. Il y aurait plus d'auditoires, et puis avec des recettes, avec... Ça viendra, mais en toile de fond de pas mal de choses que j'ai dit ce soir, on a un grand problème sur la cuisine en France, c'est que on a uniquement le modèle gastronomique. Les cuisiniers professionnels sont formés à ça. Encore cette année en CAP, tous les cuisiniers apprendront à tourner une patate, à faire 60% de déchets avec une patate pour avoir leur examen, à cuire des rôtis à 200 degrés. Et on est à coller des rustines sur des systèmes qui dysfonctionnent. Ce matin, j'étais avec des éleveurs et on voit que c'est pareil entre les bonnes pratiques que développent certains éleveurs sur les territoires et ce qui est enseigné dans les écoles agricoles, il y a souvent un fossé. Pas partout, parce qu'il y a un grand différentiel, mais sur la cuisine, personne ne parle de la cuisine de tous les jours. Chaque fois qu'il est question de cuisine, on nous sort un Thierry Marx ou un machin. Super, on est très content d'avoir des grands chefs qui ont des valeurs. Mais enfin, ce soir à la maison, on ne mange pas des verrines de panais. J'en peux plus, moi, de voir ça. J'en peux plus. On a de la gastronomie partout. On va nous bombarder là pour les fêtes de fin d'année. Mais ce n'est pas les quelques repas festifs qui font le climat. C'est le quotidien. C'est le quotidien. Et on a un vrai besoin là-dessus. Et on a besoin de cuisiner ensemble. Ceux qui savent faire des choses économiques. Parce que ce qui va, pour des gens en désintégration, j'ai une façon de le dire, hein, sociale... l'alimentation, c'est un moyen de reconnexion essentiel à son corps, à sa digestion, à son état d'être, aux autres, aux souvenirs, à sa culture, à son identité. C'est des trucs incroyables. Mais tout le monde s'en fout à l'école. Ah non, on a un programme de maths. Ah bah non, on a un programme de français. Et le cuisinier de cantine, ah bah tu comprends, c'est tellement moins bien que les chefs étoilés, c'est un ouvreur de sac.
Et on n'y arrive pas, si on est toujours sur ce logiciel-là. Oui, en fait, je voulais juste intervenir pour dire qu'en fait, à mes yeux, le mode d'alimentation qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément ni un mode de culture conventionnel, ni une alimentation conventionnelle, c'est une parenthèse dans l'histoire qui dure à peu près 50 ou 60 ans, et qui a été... parce qu'on en avait besoin après la guerre d'une agriculture industrielle qui nous nourrisse, parce qu'on n'avait pas de bras pour aller dans les champs, etc. Donc c'était très utile. Sauf que ça a détruit une partie de notre culture. Et avant, on faisait la cuisine ensemble. Dans tous les endroits, traditionnellement, il y avait... par chez moi, c'était le mias. C'est vous qui avez posé la question du collectif. Voilà, oui. Ça, c'est une vraie question quand même. Hein. Cuisiner ensemble. Et partout dans le monde, avant, il y avait aussi cette notion des aliments... la conservation des aliments, ça se faisait ensemble aussi, avant l'industrie. Et donc ça, c'était aussi quelque chose qui faisait qu'il y avait une vie culturelle autour de l'aliment, qui était autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. On faisait sécher ou fermenter le vin, les fromages, que sais-je, la choucroute, etc. Et donc tout ça, en fait, c'est des choses qui vont certainement réémerger, on ne sait pas comment, mais qui vont sûrement, à un moment donné, reprendre une vie. Voilà, à mon avis. C'est vrai qu'on se pose la question de l'alimentation durable. C'est un peu quand même réinventer le fil à couper le beurre. On a des tas d'alimentations sur la planète qui ont montré qu'elles étaient durables. On parle du régime méditerranéen, on parle de différentes choses, où effectivement, simplement parce que l'alimentation est diversifiée, mais comme on est devenu tellement hors sol, tellement en perte de sens et en quête de sens et en souffrance de sens, on invente des néologismes flexitariens. Flexitarien, déjà végétarien, t'as rien, mais flexitarien, t'as rien non plus, avec cette idée que c'est bien d'être végétarien, mais je suis flex. Je suis cool, alors quand je suis avec les autres, je mange un peu de viande. Mais c'est. Enfin, j'ai à un moment donné, détendons-nous, et puis beaucoup de problèmes nutritionnels. Le fameux professeur Le Cerf de nutrition, mondialement connu, il dit la grande clé de la nutrition, c'est la diversité. L'omniprésence de la viande, bon, à la limite, la viande, c'est un bon aliment, quoi. Si on avait 8 planètes pour produire de la viande pour tout le monde, c'est-à-dire produire plein de protéines végétales pour donner à du bétail, à la limite. Mais le problème, c'est quand la viande prend autant d'importance, il y a plein d'aliments qui n'ont plus. Alors on va te filer des compléments alimentaires, on va te dire faut acheter mon huile supplémentée en oméga 3 ou je ne sais pas quoi. Mais quoi ? Quand la viande prend une place, avec les budgets qu'on a, à moins d'être très riche, on achète de la viande à pas cher. La viande à pas cher, c'est de la souffrance partout. La viande à pas cher, c'est de la souffrance partout. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui... Même l'industriel qui tire son épingle du jeu, c'est pas... Même en Allemagne, là, en ce moment, les viandes d'Allemagne qui arrivent moins chères, élevées, nées en Suède, élevées en Allemagne, découpées en Hollande, qui arrivent moins chères que celles du producteur local pour la cantine du coin, dans 15 ans, c'est fini. Dans 10 ans, même pas 5 ans, 10, c'est fini. C'est des systèmes qu'on a mis en place quand le pétrole coûte rien. Quand le pétrole coûte rien, on y va. Je te mets des frigos partout. Je te mets des camions qui sillonnent l'Europe. Je te mets des cultures de maïs parce que tu comprends, c'est tellement mieux parce que ta vache, elle va vous donner plus de lait. Et puis, mais ça, c'est une parenthèse. C'est exactement ce que vous avez dit. Mais c'est difficile parce qu'au fond, l'alimentation, c'est de la culture. On ne mange pas avec notre raison, on mange avec notre culture. Ben, 2 ou 3 générations qui mangent industrie agroalimentaire, c'est un vrai défi aujourd'hui de faire bouger la culture. Et ça, c'est très important. Cette bulle-là, c'est là-dessus qu'il faut presque porter tout le travail parce que c'est la condition de pouvoir bouger sur tout le reste. Ah ben moi, j'aime pas les machins, j'aime pas le fenouil. Tiens, le fenouil, c'est quoi ? Fenouil, c'est quoi comme légume ? C'est quoi comme type de légume, le fenouil ? J'ai entendu le mot ? Bulbe. C'est un bulbe. Est-ce que vous connaissez d'autres bulbes dans l'alimentation ? Les oignons. Bon. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de manger un oignon cuit vapeur ? L'oignon cuit vapeur, un oignon comme ça, je vous file un oignon, vous le cuisez vapeur, vous vous en régalez. Bon, c'est possible, tout est possible. Après tout, tout est possible. Tout est possible, il y aurait tellement de choses à dire. On parlait ce matin avec
Jocelyne Porcher, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, extrêmement intéressante si vous voulez décortiquer les questions autour de la viande. Elle disait que, vu la tournure des choses, avec la perte de sens, les images violentes des élevages industriels et des abattages industriels, on va vraiment avoir des gens et des industriels qui ont des marges de profit incroyables à nous faire les viandes de synthèse, qui coûtent encore très cher aujourd'hui, mais dans 5 ans, si les gens ont devant eux viande d'élevage, machin, et puis viande sans souffrance animale, alors là, la perte de sens, quand la chair de volaille ou quand la chair de porc est cultivée hors sol, en laboratoire, merci. On va vers ça, hein, la perte de sens. Mais sinon, pour ce qui est de l'oignon et de le cuir vapeur, bah, l'oignon, on sait tous que c'est un facteur de goût dans l'alimentation. Pourquoi vous démarrez un oignon au début d'un plat ? Est-ce qu'il y en a qui font ça ? Levez la main ceux qui ne le font pas. Bon, tout le monde le fait. Voilà, alors comment on fait ? On met une casserole, et puis on met un peu d'huile ou un peu de beurre, et puis on met l'oignon. Pourquoi ? Pour le goût. Bah ouais, mais ça a du goût l'oignon. Pourquoi vous ne le mettez pas à la fin ? Pourquoi le mettez au début ? Vous voyez, on n'a pas appris la cuisine par le pourquoi, on a appris la cuisine par le comment. Si je comprends que ma viande, si au-dessus de 70, mécaniquement, elle perdra son jus, je change mes pratiques. Si je comprends pourquoi je démarre un plat par un oignon, dont je cherche les sucres, et puisque je cherche les sucres, je vais le faire suer. Comme nous, l'été, quand il fait chaud, on sue. Donc on met une chaleur forte pour que notre oignon perde son eau. Mais on met aussi un couvercle. Enfin, je vous propose de mettre un couvercle parce que 90% des gens que je vois cuisiner font rissoler l'oignon. On met de l'huile, on met l'oignon, et puis au bout de 3 minutes, ça sent bon dans la maison. Tout le monde est content. Et puis ça caramélise un peu. Ah ouais, moi j'aime bien le caramel, tout ça. Mais c'est de l'oignon cru, caramélisé. Il n'est pas cuit. Vous savez, l'oignon, on peut faire du confit d'oignon. Ça peut devenir hyper sucré. Quand vous faites des cuisines sans viande ou avec moins de viande, on rigole plus avec ça. Si vous mettez de la viande là-dedans, vous en foutez parce que la viande va faire tout le boulot. Mais si vous faites un plat de légumes, faites cuire l'oignon, faites-lui perdre son eau, qu'il devienne sucré. Et donc pour ça, on met un peu de sel qui va attirer l'eau et on met un couvercle, c'est-à-dire qu'on sue couvert. Et l'oignon va arriver à transparence. Si vous aimez le côté caramel, vous caraméliserez à la fin. Mais faites le cuire d'abord, parce que c'est ça qu'on cherche. Et ben, quand on prépare le fenouil comme un oignon, j'ai entendu plus de 1000 fois, j'ai eu à peu près 25 000 personnes en cours de cuisine, mais j'ai entendu plus de 1000 fois, « Ah ben, je croyais que j'aimais pas le fenouil. » C'est un vrai changement de goût. Pareil, quand on met des épices dans un plat, pourquoi les Indiens ne saupoudrent pas leur curry ? Vous avez déjà vu des Indiens cuisiner à un curry ? Bah, nous, quand on fait la cuisine, on fait une ratatouille, des courgettes, je ne sais pas quoi. Je prends un exemple facile. Bah, on soulève le couvercle. Tiens, je vais mettre des herbes de Provence. On saupoudre. Qu'est-ce qui passe quand vous saupoudrez du curry ou des herbes dans des légumes qui cuisent ? Comment le goût va se répandre ? Par l'eau. Par l'humidité. Vous voyez, il y a plein d'humidité dans vos légumes. Il y a encore 80-85%. Quand vous cuisez comme ça une ratatouille, ben, quand vous mettez du cumin ou du curry ou je sais pas quoi ou des herbes là-dedans, vous faites une infusion des herbes, de l'huile essentielle de la plante, dans le jus des aliments. Ce soir, avant de vous coucher, très simple, d'habitude, vous faisiez une verveine, bonne nuit, bonne digestion, enfin voilà, chacun a sa préférence, super, cassis, fruits rouges, bon. Pour changer, vous faites un mug d'eau chaude et vous mettez du curry dedans. Ah ouais ? Si vous cuisez des courgettes, vous saupoudrez du curry, vous faites une infusion de curry. Essayez un mug de l'eau avec du curry, vous allez voir, c'est juste infect. C'est ce qu'on fait quand on saupoudre du curry sur des courgettes qui cuisent. Les Indiens, ils font jamais ça. Ils commencent à mettre de l'huile, ils mettent des graines de cumin qui vont, à la chaleur, éclater et donner leur huile essentielle dans l'huile. Ils font compoter leurs oignons pour qu'ils deviennent très sucrés, la tomate, tout ça, des exhausteurs à gingembre, et ils chargent la matière grasse, c'est-à-dire que le vecteur n'est plus l'eau, mais l'huile. Et quand vous allez manger ce curry de courgettes,
à chaque bouchée, vous aurez des microbilles de gras pleines de parfums. Comme quand vous mangez un bourguignon ou un cassoulet, où vous avez des microbilles de gras animal pleines de goût. C'est très intéressant quand on veut faire des cuisines végétariennes parfumées, vraiment parfumées, pas juste le petit plat de légumes comme ça, mais vraiment je veux faire à la provençale, je veux faire à la marocaine, à l'indienne ou je ne sais pas quoi, forestière, basquaise, c'est de mettre les goûts au début du plat dans la matière grasse. Et cette fois, on sacrifie la qualité de l'huile d'olive en faisant chauffer les épices dedans, et là, on change complètement la donne. Complètement la donne. Tout en restant une cuisine très simple. Et c'est aussi ça qui donne envie à des gens pour qui ce n'est pas la priorité de bien se nourrir du moment qu'ils se soient remplis le ventre, d'avoir cette analyse un peu plus fine de qu'est-ce qui fait que j'ai du plaisir à manger. Je m'arrête là. Hein ? Ben voilà, bonne soirée. Et merci à la médiathèque. Et merci à notre libraire qui est là. Qui nous attend à l'extérieur, du coup, avec des dédicaces de Gilles Davot pour ceux qui le souhaitent.